En France, dans la région de la Bourgogne, il est une ville qui s'appelle Vézelay et qui a une longue histoire. Son histoire remonte depuis le 8e siècle environ et à ce jour, au 21e siècle, elle existe encore. Relativement ancienne, on l'appelle, et elle s'appelle, la Porte Nord. Sur le point culminant se situe la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Combien d'architectes, de tailleurs de pierre, de maçons ont construit cette superbe basilique qui, après 10 siècles, nous offre le plaisir des yeux. Combien d'hommes, combien d'ouvriers ont œuvré pour nous laisser cette superbe structure? Ou à une certaine époque, les moyens n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui pour la manipulation. Des pierres, des grues et des échafaudages. Fallait pas avoir le vertige. La basilique est entourée de maisons tout à fait de style bourguignon. Quelques pas et nous allons pénétrer à l'intérieur de la basilique. Nous pénétrons et nous approchons du cœur de la basilique au moment où c'est la demi-heure de grand silence respecté par les religieux de cette institution. C'est la prière silencieuse et suivie des vêpres. Écoutons. Et les vêpres seront suivies par une messe du soir. Levons les yeux
vers le haut de la basilique, à vous surprendre ces arches qui supportent depuis des siècles des tonnes et des tonnes de pierres, une toiture, etc. Et en haut des colonnes, on pourra admirer différents chapiteaux, des scènes tout à fait diverses que vous pourrez découvrir si vous avez l'opportunité de rendre visite à Vézelay. Nous accéderons autour du maître-autel où nous allons découvrir différentes chapelles. Celle-ci est la croix des Allemands prisonniers de guerre voulant faire un pèlerinage en cette église. Cet endroit est aussi un lieu de pèlerinage, un lieu d'arrêt, de prière, si vous faites le pèlerinage pour descendre jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Levant les yeux vers le ciel, nous découvrons ces voûtes qui sont extraordinaires, qui ne sont pas uniques peut-être, mais qui ont une particularité de finesse, de rapidité par la construction. Par obligation, notre regard se dirige surtout vers le haut de la basilique, ce qui nous donne l'impression d'avoir un regard permanent vers le ciel. De par cette basilique et de son environnement, il en fait le 156e plus beau village de notre belle France. C'est en 1835 que Prosper Mérimée, soutenu par M. Guizot, ministre de l'Instruction publique à cette époque, décide la rénovation qui se terminera en 1861. La réfection des sculptures seront sous la direction de Pascal et le tympan extérieur sera sculpté par deux artistes en 5 mois. Sortie de la basilique, était absolument indispensable de faire une promenade pédestre dans la ville qui nous permet de respirer l'air de la Bourgogne avec son caractère, entouré de ses vignes, de ses champs et de ses constructions, tout à fait dans le style, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, bourguignon. Si vous venez, surtout, faites un bon séjour et ne manquez pas Vézelay. Tout ferme. Perdu dans la nature, à quelques centaines de mètres de la ville, se trouve une petite chapelle. Je crois que c'est la chapelle Saint-Jean. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur de cette chapelle, vous rentrez aussi tout à fait dans le monde du silence. Nous espérons vous avoir fait découvrir, peut-être pas pour la première fois, mais un des plus jolis coins de notre belle France.